Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, chers internautes, que paix et grâce bon Dieu reposer sur chaque de nous qui a écouté là, ou même qui abonné à la chaîne là, nous remercions, ou même qui beaucoup fait ça, nous encourager pour capable abonner et partager, ben nous on like, poser nos questions sur vidéo, sur questions sur la Bible, ça vous t'a connaît, nous là pour nous servir. Merci pour tout est support nous et merci pour partager au monde qui partage. Jodi a sujet nous pour le débattre l'enlèvement l'église là qui ça la Bible dit dans sujet ça et qui côté doctrine ça li sorti. D'abord, Frère Maxime, nous avons parti dans la première question. Hein? Qui ça la Bible dit dans ce sujet ça et qui côté doctrine ça li sorti? Nous apprenons tout d'abord qui côté doctrine li sorti. Enlèvement de l'Église, chers frères et sœurs, nous connaissons la réforme protestante. Hein? Li commencé à partir de 1517, c'est dans la date que l'église protestante prend naissance à travers Martin Luther. Mais avant ça, il y a gagné un pilote réformateur que l'église catholique a bataillé ensemble avec lui, il a éteint souffle même avant que la réforme n'ait été prochaine, à savoir Jean Hus et Jérôme de Poigne étant l'autre encore. Eh bien, arrivé de Martin Luther, et c'est Martin Luther que bon Dieu t'a choisi pour te créer en vie, pour te capable de mener la réforme jusqu'à ce que tu te brives accompli vraiment. Mais, chers amis, la réforme a commencé en 1517, mais ça va vous dire que le travail de Martin Luther est fini totalement. Il faut que le travail ait continué jusqu'à arriver aujourd'hui pour que les hommes soient capables de retrouver encore la même doctrine pure et sainte que Jésus-Christ lui-même lui était si mère. Habillé Jésus-Christ lui-même, lui et bail yon parabole dans Matthieu et chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ a plusieurs paraboles dans le chapitre ça. Il parlait du royaume ciel là, assemblé avec un monde qui s'y met une bonne semence. Parabole semée, c'est à partir du verset 36. Et à partir de verset 36 là, c'est là qu'il pourra expliquer par rapport ça, dans verset 36 là, quand il dit, fils de l'homme non lui-même, lui s'y met un bon grain, eh bien, bon grain ça que lui s'y met, hein? Et grain n'a enlevé, mais l'ennemi en passé, lui s'y met un mauvais grain. Eh bien, non, à partir de verset 24, là, Liba ou parabole là, il dit, voyons si elle l'assemblée avec un homme qui s'y met un bon grain dans Chali. Mais pendant Emmanuel Abdomi, l'ennemi a venu, il s'y met un livre parmi Bléa. Et puis l'année. Eh bien, nous sommes capables de comparer. Chers amis, Jésus-Christ a explication à partir de verset 36 là que moun qui s'y met bon grain c'est fils de l'homme non et livré c'est Satan qui s'y met livré.
Grand qui s'y met, c'est l'évangile là. Et livré, c'est faux doctrine, faux l'évangile qui s'y met. Pour nous aller dans l'histoire biblique là, et dans l'histoire mondiale, pour nous capables de comparer ça Jésus-Christ et Dieu, alors, chers amis, nous pouvons aller directement dans l'évangile là, qui ampleur que l'évangile là lui prend. Nous devons dans le sujet, nous débattons dans l'Apocalypse déjà, nous devons. Dans cette soyo, chaque saut qui ouvre l'évangile là prend une direction différente qui a parlé de mal en pire. Nous te voyons, le premier cheval là c'est blanc, laisse ça. Premier cheval là c'est bon l'évangile là qui s'y met, bon grenat qui s'y met. Eh bien, ennemi a lui-même li campé pour le bataille ensemble avec Père Bodia. Eh bien, nous voyons de temps à autre cheval rouge, cheval noir et cheval pâle. Nous voyons l'évangile là vient prendre une direction. L'église mondiale vient prendre une direction côté divine pâle sous la terre à cause des représailles, à cause des persécutions de l'Empire romain et qui continue avec l'église là qui naît dans l'Empire romain. Et là ça, vrai l'évangile là vient bien du vrai. Ici, mais la dame qu'on y a l'évangile là vient sorti dans tête mon yo. Li pa yon l'évangile qui encore, li chargé faux doctrine qui rentre la dedans. Qui ça qui va livrer bon Dieu vient pour nettoyer li, pour que vin ça, bon grain qui planté a, li capable reprendre forme ni fok la terre, li vient un moment pour moissonner. Les moissons arrivées, Jésus-Christ va venir moissonner, mais la prend ça qui bon yo, la mettre dans grenier li, et ça qui pas bon yo, la boue yo dans du feu. C'est ça. Et Jésus-Christ expliqué dans la parabole là. Mais toutefois, prophétie apocalyptique montre nous que arrivé au moment que l'évangile là et ennemi qui a persécuté à Lyon, un peu de temps que bon Dieu te bali dans Apocalypse chapitre 13 que il gagne 42 mois, dans Apocalypse chapitre 11 que il gagne 1260 jours et un temps de temps et la moitié d'un temps. Nous voyons cette période de temps ça que l'ennemi a gagné pour attaquer l'évangile là et pour te simer livre là. Eh bien, 1517, Jésus-Christ lui-même, même avant et date l'époque que l'il était arrivé, Jésus-Christ dit jour abrégé. En 1517, l'évangile a recommencé à apparaître sous forme que l'il était. L'évangile, on salue par la foi et c'est pas salué par les hommes. C'est ça que Martin Luther a prêché. C'est pas l'argent pour payer pour joindre pardon, mais c'est mettre la foi en Christ. Alors l'église, la grande église là qui était dans l'époque là, t'es attaqué tout le monde qui te contredit ça, l'étape dit. Eh bien, laisse ça. Réforme protestante ça a été gain. Moun qui te contre réforme ça pour te détourner yo de vraie parole bon Dieu. Et travail ennemi ça c'est toujours travail ça. Et bien frère Maxime, parmi et contre réforme ça yo, parmi figure qui te et contre réforme ça yo, te gen yon qui te relé Robert Bellarmine. Robert Bellarmine ça vrai nom lui c'est Francisco Romolo Bellarmino. Monsieur était fait le 4 octobre 1542 et lui mourit le 17 septembre 1621. Qui est-ce monsieur était? C'était un jésuite italien. Et li te yon cardinal tout dans l'église catholique. C'était yon nan figi qui était plus important parmi moun qui te contre réforme protestant yo. Et bien monsieur lui-même li écrit en pile livre. Si nous cherchons sur Google, n'a besoin en pile livre que monsieur écrit jusqu'à présent livre ça yo a continué vendre à travers le monde. Parmi les livres, il y a un livre qu'il a écrit qui est l'Antichrist. Eh bien, pendant que Martin Luther lui-même l'a approché, et pendant tout le monde qui a suivi Martin Luther, qui a continué la parole là, je te fais comprendre que l'Antichrist, qui est 1 Thessaloniciens 2, à partir de verset 4, lui a parlé, c'était le pape.
et c'est l'Église catholique. Alors, chers amis, contre les femmes, ça qui c'est Robert Bellarmine, dans le français, eh bien, monsieur, ça il était écrit un livre pour montrer que l'Antichrist là, ce n'est pas un monde qui l'a déjà, mais c'est un monde qui vient pour venir. Et l'Antichrist a fait un miracle. Et il prend comme exemple, même texte qui c'est 2 Thessaloniciens 2, eh bien c'est même texte que il prend pour soutenir l'idée de l'IA. Eh bien, chers amis, nous, et ça que il écrit, c'est lui-même qui vient ensemble avec. L'enlèvement de l'église, l'enlèvement secret qui c'est race secret ou du moins left behind. Eh bien, tout les arrières qui est écrit, un peu le monde livre et un peu le monde parmi qui là qui était constitué, monde qui était dans la réforme protestante, un peu le tombé dans le piège de l'église catholique, un peu le tombé dans le piège de Robert Bellarmine. Eh bien, qui ça l'église catholique fait? Le monsieur vient mourir en 1930, il a canonisé lui. Il a considéré le comme un docteur de l'église, c'est comme ça qu'il a dit. Et aujourd'hui, lui c'est un parmi les gens que l'église catholique canonisé. Il a dit lui, Saint Bellarmine. Lui c'est un saint, Eh bien, c'est la doctrine, l'enlèvement secret que l'église, en pile l'église, parmi l'église protestante, a prêché. Il fait connaître que Jésus-Christ peut venir en secret, là pour un, il ont parti monde, dans le monde là, dans tout le monde là, chrétien, yo. Et après, là, bah, 7 ans pour les, pour, et 70 semaines, j'en vous dis là, pour peuple Israël là, pour que peuple Israël là, eux-mêmes, pour yon passer par tribulation et pour yon 144 000 nan yon qui pourra sauver au l'Éternel. Mais qui ça la Bible vraiment dit dans ce sujet ça? Est-ce que la Bible soutenit totalement doctrine ça? Que yon pile moun apprécie, yon pile moun kwe la donne. Et nous, qui côté sorti? Li sorti directement en dans l'église catholique par Saint Bellarmine. Qui c'est Robert Bellarmine. Et si nous voulons visiter internet là, nous avons un livre ça qui est Robert Bellarmine, qui est l'Antichrist. Eh bien, il explique qui c'est l'Antichrist. Il utilise Apocalypse 13, il utilise 2 Thessaloniciens 2. Est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de prendre une doctrine qui sortit dans l'Église catholique? Si ou même ou dit que ou protestez ou sorti en dans l'église catholique comme étant protestant réformé ou participer parmi moun ki te nan réforme protestant yo, je dis ou c'est protestant. Mais est-ce que nous capables retourner dans même dans doctrine que yo ban nou yo? Nous va pas faire un pile étalage sur ça. C'est juste nous devons dire mais qui côté doctrine ça li sorti. Et nous allons voir qui ça la Bible dit dans ce sujet. En principe, chers amis, pour interpréter la Bible, il n'est pas demandé pour utiliser aucun autre livre. La Bible interprète tête. Pour interpréter la Bible, pour interpréter un texte, il faut comprendre le contexte. Mais qui est capable de faire le contexte? La Bible même va le contexte. Le contexte est un verset. Dans toute Bible, dans toute version, il y a un contexte. Ou a besoin des textes qui écrit sur tel sujet, ou du moins en bas, tout dépend de la version biblique. Bible. Eh bien, qui ça Esaïe 28, verset 10, dit nous, qui Jean pour nous faire, pour nous interpréter, pour nous comprendre un sujet quelconque. Il dit, Esaïe 28, verset 10, m'a dit pour nous, qui ça la Bible dit pour nous faire, pour nous étudier la Bible avec une compréhension qui vraiment Jean qu'elle doit y être. Esaïe 28, verset 10. Il dit c'est car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est ça verset 10.
C'est ça Esaïe bay nous comme principe pour nous étudier Bible. C'est précepte sur précepte. Ça veut dire ou lit un précepte dans verset ça. À chercher l'autre verset qui parle des mêmes sujets pour capable lire encore et s'il le faut en pile l'autre verset pour capable lire qui parle des mêmes sujets, laisse ça vous pouvez comprendre. La Bible pas de bail pour cacher monde. Bon Dieu bail la Bible pour verger nous comme lumière. Lumière pas qu'à cacher en bataille, c'est ça Jésus qui dit. Lumière doit mettre en l'air pour tout le monde. Même yon si moun piti capable comprendre la Bible. Il suffit que ou la gueu. Bien toi bagay pour retirer la caillou avant que ou étudie la Bible pour comprendre. Ou doit retirer premièrement l'orgueil. Retirer hypocrisie et retirer l'idée préconçue. L'idée préconçue c'est que ou pral la Bible là ou pral chercher yon bagon verset pour soutenir l'idée fort. Et puis, orgueil par ou permet que même le ou jouen yon verset dans la Bible qui contre qui ça ou dit à l'aide de orgueil là ou pas soumettre. Et ou de retirer l'orgueil, retirer hypocrisie. Hypocrisie c'est laisser si pour un tel qui pour telle raison. M'orgueille et m'hypocrite, m'pas gen kè pour m'soumettre, pour m'dia, ça ou dia, c'est ça. Et point tel droit ici. Bible a pas de bail pour ces autorités théologiens, yon pasteur, c'est yon qui doit comprendre pour expliquer moun. Mais Bible a bail pour tout le monde comprendre dans Jean Lier. En nous, qui ça la Bible dit dans ce sujet ça? Premièrement, nous pouvons lire le même verset que yon utilisé pour défendre yon. Pour défendre doctrine ça, même verset ça, et c'est seul verset qu'ils ont utilisé pour défendre doctrine ça. À chaque fois ils ont tenté de jouer l'autre verset, mais l'autre verset n'est pas vraiment venu dans ce sens là. Et même verset ça, il n'est pas venu dans ce sens là. Et mais nous pas lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. C'est verset ça, ils prétendent qu'ils soutiennent doctrine ça. Mais on nous est vraiment vrai qui ça verset a dit. Moi pas interpréter rien pour nous même à li verset pour nous qui ça la Bible dit clair. Et pas mettre en tête comme si l'air la Bible dit un bagage extraordinaire lieu et pas dans ça ça dit le vrai font l'autre sens faut que le bon monde qui gon l'esprit pour comprendre. Bon Dieu mettez le Saint-Esprit à la disposition tout le monde qui a li pour comprendre. Mais faut que vous voulez comprendre, faut que vous pas gagne égoïste avec hypocrisie la caillou. Et il suffit que vous priez au monde de bon Dieu Saint-Esprit et puis retirez l'orgueil là, retirez l'hypocrisie et bon Dieu faut comprendre. 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Il suffit que, chers amis, les ou lion verset dans Bible là ou doit sou pas comprendre verset là retourner dans tête chapitre là li reste chapitre là sou pas comprendre toujours garder verset qui écrit sous tête yo ou après marquer v tiré v ça v point ça qui marqué ça veut dire verset à tel verset mais contexte yo ou après li dans contexte yo. Nous parlions premier contexte que li bay nan 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19 à 58. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19 à 58 qui ça li dit. N'a pral fon ti coup de commentaire mais nous pas pral porter idée par nous mais la Bible gen propre idée par li et li interpréter tête li. Verset 19. Li dit si c'est dans cette vie seulement que vous
que nous étions en Christ, nous sommes les plus malheureux que tous les hommes. Si c'est dans cette vie ça nous en Christ, nous malheureux que tout le monde. Mais maintenant, verset 20, Christ a ressuscité des morts, il est le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam et même aussi nous vivons en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est à Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tout l'ennemi sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement dit, nous ne pas oublier tout chapitre là, Jean Léa. Eh bien, nous parlons à partir de verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Eh bien, la mort a été englouti dans verset 54, là dit, lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été englouti dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. Tout autant que péché, la loi existait. Tout autant que la loi gagne péché. Mes chers amis, qui savait ça, dis-nous clair. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, dis-nous, trompette quoi sonne, mort Christ a ressuscité en premier, et puis vivant a transformé. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 jusqu'à 56, il dit nous que les corps, les Jésus-Christ venu, mort a ressuscité en premier, et vivant a changé. Les vivants ont changé. Tout changement, ça, c'est pas un bagage qu'a fait. Et non, un bagage qu'on s'y prend disparaître. L'y pas dit, on prend disparaître. Yo, a changé. Changement, ça, faut qu'yo changé pour yo prendre un corps de gloire. Même Jean-Jésus-Christ l'a ressuscité, l'y vint gagner un corps de gloire. L'y changé, l'y vint gagner un corps de gloire. Qui pas qu'à mourir encore. C'est de même que, vivant, yo prend changer et mort, Christ, yo a ressuscité avec même corps de gloire, ça. Côté yo pap, y a revêté de l'immortalité. Mais qui ça qui dit dans 55 là? Ô mort, où est ta victoire? Qui ça veut dire ô mort, où est ta victoire? La mort, pap, kapran, petit bon Dieu encore. Pap, gen moun kapral mourir qui rele petit bon Dieu encore. Pap, gen moun qui rele petit bon Dieu kapral mourir encore. Là, nous gen dans la doctrine en point en coup. Qui dit que pour quelqu'un monde qui pral sauver par le feu, ça veut dire mon pral passer par la mort et l'elle finit pour le sauver parce qu'il pas fait partie premier tour bon deuxième tour. Mais qui s'arrive là, Jésus-Christ pas jamais dit gain deuxième tour. À nous wè qui ça qui dit n'a pas aller qui ça la Bible dit toujours et Thessaloniciens 2 et 4 là lui-même dans verset 16 elle dit trompette a sonné.
Trompette ça y a pas sonné en secret, c'est pas secret. Et même monde qui mourait attendait son trompette là, il a ressuscité. Et en plus, yon a quand j'ai parlé et yon attendait voir Jésus-Christ, il a ressuscité. Nous parlons dans acte 1 verset 11 qui a dit nous exactement comment Jésus-Christ a tourné. Et qui ça qui pourra le faire? Acte 1er, travail à Poutio, chapitre 1er, verset 11. Travail 1er, verset 11. Qui ça lui dit? Dans travail 1er, verset 11, ou même qui n'a pas dit, c'est qu'on va dire acte 1er, verset 11, lui dit. Non, travail premier, il montre nous que là Jésus-Christ a parlé ensemble avec eux après qu'il était fini ressuscité, il fait un bon temps ensemble avec les disciples pour montrer que c'est pas l'esprit qui ressuscité, c'est vraiment le corps qui ressuscité. Il mangeait ensemble avec eux, il touché lui pour retirer tout doute qui gagne pour les hommes pas dit que c'est l'esprit qui ressuscité, corps arrêté dans tombeau. Malgré ça les hommes dit ça quand même. Mais il fait au toucher et il mange ensemble avec eux. Il fait connait que l'esprit pièce monde pas toucher un esprit pour montrer que s'il pas l'esprit, il c'est vraiment corps qui ressuscité et Jean qui était hier seulement il vient gagner un corps transformé un corps de gloire. Il dit pendant la parole ensemble avec eux sous mont des oliviers et Jésus-Christ l'a enlevé au ciel. Jésus-Christ enlevé au ciel pendant la parole ensemble avec yo. Est-ce que yo ouais les li enlevé? Oui. Pour qui ça? Parce que après li fin dit ça dans verset 9 là, acte 1 verset 9, il dit après avoir dit cela, il fut élevé de pendant qu'il les regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Dans verset 9 là, il dit pendant la parole ensemble avec yo, li a dit yo que la voyant puissance, li a volé cet esprit et pendant la parole avec yo, yo li mont li élevé. Pendant yo a gardé li, si yo paté wel, yo pat a gardé li. Pendant la élevé, y a gardé li jusqu'à ce que yo nuage couvri li. Les nuages la couvri li. Moun yo continue gardé en l'air. Yo continue a gardé li. Dans verset 11 là qui ça le dit. Dans verset 9 là, il dit comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici des hommes vêtus de blanc leur apparut. Pendant que j'aurais été fixé à regarder Jésus-Christ qui allait dans le nuage là, yo pas ouais l'encore nuage là couvrir yo, couvrir Christ là. Yo continue à regarder dans l'air. Eh bien, il y a deux mondes qui paraissent, des hommes qui revêtent tout de blanc qui paraissent, vêtements étaient vraiment clairs, et il dit, homme Galilée. Pourquoi ça dit homme Galilée? C'est parce que c'est tout le monde de la ville Galilée qui t'a suivi Jésus-Christ. De ça pas suivre lui, mais c'est tout le monde qui t'a quitté la ville Galilée, qui t'a suivi lui, Jésus-Christ sur le monde là, qui t'a gardé lui monter. Li di yo pour qui ça nous a continué garder dans ciel. C'est même Jésus ça qui enlevé qui aller dans ciel là. C'est comme ça la retourner. Même manière aller que nous veulent aller dans ciel là, c'est même manière ça la tourner. Même Jean. Li clair que li, c'est même Jean que li aller. C'est comme ça la tourner. Verset a mettez nous clair que Jésus-Christ li était allé visiblement, paisiblement, et la retourner visiblement, paisiblement. Dans Apocalypse chapitre 6, dans 6e soir, il montre un tas d'événements, bouleversements, tremblements de terre qui pourraient passer avant Jésus-Christ tourner. Mais Jésus-Christ n'est pas venu dans le bouleversement, dans le tremblement de terre. Il est venu doucement. Après tout événement, ça y est. Que les hommes à partir de verset 14, Apocalypse 6, verset 14, là, lui montrer qu'il y a un bouleversement qui pourrait le faire, que les hommes, les grands de la terre, pourraient le courir le cacher, pour yo dire, yo pas qu'à ouais, et si la cap vignan, et cacher yo, eh bien, laisse ça, yo a cherché dans moi, yo pas vignan, yo pas mourir, parce que tout le monde qui vit en époque ça, faut que yo ouais,
Jésus-Christ qui a venu pour témoignage. Eh bien, après tout événement, ça va venir au calme que Jésus-Christ va venir dans le nuage. Tout tremblement de terre, bouleversement, ça va pour le fait là, que Apocalypse décrit, à peuple bon Dieu, à plat, parce qu'il y a une question qui pose dans Apocalypse 6, verset 17. Le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Question, ça lui répond dans Apocalypse chapitre 7, les 144 000. C'est moun qui vivant yo, qui pour bon Dieu, c'est yo qui représente 144 000 ça, qui ka subsister devant grand jour colère. Et dans Apocalypse 14, lui dit nous que 144 000 ça, moun yo pat souye par des femmes. Et nous décrivons sujet ça pour nous déjà dans sous channel là ou même qui fait abonner sous channel là ou capable chercher les 144 000 ou avoir tout détail sur 144 000 là qui est-ce que y est et qui caractéristique y a gagné. Et bien chers amis, nous parlons pour toujours l'autre verset qui c'est dans Matthieu chapitre 25 côté propre Jésus-Christ comparé retoulia avec 10 vierges. Matthieu 25, verset 1 jusqu'à verset 13. Jésus-Christ dit, royaume ciel l'assemblée avec 10 vierges qui prennent l'ampio pour yon aller rencontrer et pour 10 vierges yon gen 5 folles, gen 5 sages. Ça veut dire, au retour de Jésus-Christ, la terre va le diviser en deux groupes. Deux groupes ça, n'a pas parlé de peuple bon Dieu. Deux groupes ça, c'est moun qui prend l'ampio, l'emplacer parole là. Somme 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Tout le monde sait bien parole là dans mes pieds. Ça qui n'est pas pour bon Dieu, il n'y a pas bien parole là dans mes pieds. Mais tout le monde qui dit que c'est chrétien, il y a bien parole là dans mes pieds, il a fait partie du vieil ça. Je ne sais pas si il a fait partie folle ou bien sage. Mais qui ça peut arriver? Sage a pris l'huile, mais folle n'a pas pris l'huile. Qui ça veut dire l'huile là? L'huile là que sage prend. C'est que yo kite parole la transforme yo, yo parli parole la avec égoïsme, avec hypocrisie, parole la transforme yo, yo transforme, yo rete à l'image de Jésus-Christ et yo recevra le Saint-Esprit de Dieu. Laisse la lampe la gen l'huile et yo gen l'huile en réserve. Non seulement yo gen l'huile dans la plat, yo gen l'huile en réserve. Alors, l'huile ça c'est changement, ça c'est changement de caractère que parole bon Dieu permet que le peuple y a changé caractère. Caractère changé, caractère vient sembler avec Jésus-Christ. Il y a tant d'époux à tout le monde. Mais folio, il n'y a pas prendre l'huile. Eh bien, l'époux a dit, l'époux dit, voici l'époux au milieu de la nuit. Il pourrait aller acheter l'huile. Il n'y a pas joué la caille machine. Machine ne dit pas pleuvé. Et il pourrait aller demander l'autre pour faire un cadeau de goutte l'huile. Mais caractère moun pas capable partager. Caractère doit changer, doit transformer par parole là, c'est pas l'autre monde qui va changer caractère. Mais si là dit ou gen compte pour yo pas capable bail. Laisse à qui ça pas arriver, porte la fermée moun sa yo dehors. Est-ce que bon deuxième chance pour moun sa yo qui dehors? Jésus-Christ dit li pas jamais connait yo. Ça veut dire pas gen moun kap dehors porte là que Jésus-Christ connaît. Deux groupes de monde parmi chrétiens, pas gen deux groupes de monde qui parlent dans le ciel. Gen un seul groupe de monde qui parlent dans le ciel. Ça crée dehors, il pas gen chance pour lui encore, li dehors. Nous parlons encore un autre verset pour. Dans même Matthieu 25 là, n'a pas dans partie de verset 31 qui ça dit que Jean Jésus-Christ a tourné. Il dit verset 31 jusqu'à verset n'a plus 31 jusqu'à verset 46. Nous pas plus tout 46 là. Ou même, l'île. Tout chapitre là. Pour gain plus compréhension. Dans verset 31, il dit, lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs, mes amis. Jésus-Christ dit la vigne et toute nation. Toute nation, ça lui dit, la rassemblée, Israël a plein dans tout. Toute nation. Il va distinguer
et l'a séparé brebis avec boukyo. Eh bien, laisse ça, il pas venir en secret. Tout le monde appelle et l'a venu dans gloire, il a chita sous trône. Et gloire, ça, c'est la lumière qui est liée. Et l'a séparé brebis avec boukyo. Brebis, c'est si là, qui tente de voir, bon Dieu. Boukyo, c'est si là, qui rebelle, qui pas tente. Nous capables de faire une comparaison entre mouton et cabrit. Cabrit, c'est un bête, sous la gueule, yo facile pour faire passer en pile misère, même sous ta gen 5 cabrit. Ou la gueule devant pas qu'un bayon même y a faut passer pile misère chaque avant de côté y a pas qu'un devant même mouton pas comme ça mouton pi obéissant que cabri ça fait Jésus-Christ fait comparaison ça parce que tout berger yo connaît des bêtes ça yo gain grande différence entre yo ça lui montrer que Jésus-Christ a fait un retour clair et visible. Apocalypse 7 premier verset 7 excusez-nous lui dit nous clair que Napli, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Jésus-Christ est là, vini avec nuage. Pour ça, nous sommes un premier verset nous te lia, dans un acte premier, il dit Jésus-Christ est monté et puis un nuage enveloppé. Les l'a tourné, des hommes ont dit que l'a tourné, même Jean d'Alia, les l'a tourné avec nuage enveloppé. Tout Dieu a voué. Oui, peuple mondial pral enlevé, mais ce n'est pas enlèvement que l'église a pral enlevé avant la grande persécution. Avant la grande tribulation, Jean ou dit, en nous lit pour l'autre verset, pour question tribulation, hein, l'église pas persécutée, l'église pas passer grande tribulation, tout ça c'est faux, mais ça la Bible dit, dans Jean 16, verset 33, Jean 16, verset 33, nous, si la Bible pas soutenir doctrine ça, c'est une doctrine qui est fausse. N'appli Jean chapitre 13, verset 33. Jean 16, excusez-nous, verset 33. Non, Jean 16, verset 33, qui ça Jésus-Christ dit, disciple yo. Laisse Jésus-Christ a parlé avec peuple ya. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ dit clair que nous pourrons gagner, peuple bon Dieu, à gagner des tribulations. Il n'a pas dit yon tribulation. Vous aurez des tribulations dans le monde. Là, Jésus-Christ parle dans la Bible. Il n'a pas parlé avec deux groupes de monde. Li parle avec yon seul groupe de moun, peuple ya. Li bay disip yo message la, pour que disip yo propage message la, tout moun ki kwen nan li a vin un en Christ, et a bien un seul berger, un seul troupeau. Jean 10, verset 16. Pas gen deux troupeaux, yon seul troupeau. Et Jésus-Christ pas pral prendre deux trois grand monde yo pour dire à moun ta sauvé par le feu, la pral nan ciel la. Qui côté gen pour mettre l'autre? Catégorie moun sa nan ciel la. Son seul place la fait. Tout moun prépare ou pour Christ la. Parce que pas bien deuxième tour. Deuxième tour, c'est l'enfer la pied. Dernier verset n'a plus pour vous, chers amis. Pour montrer qui sa quoi le rive à moun qui pral rete yo. Après Jésus-Christ, fin tourne. Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Dans Apocalypse chapitre 20, il parlait de retour Christ là. Et après retour Christ là, jugement dernier. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 6, il dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs pour Dieu et de Christ
ils régneront avec lui pendant 1000 ans. An nou wè ki sa ki second mort. Paske li di ere moun ki patisipe nan première résurrection. Ki première résurrection pale a? Résurrection ki pale nan 1 Thessaloniciens 4 verset 16 la. Se résurrection sa la pale. Ere moun ki patisipe la dan paske second mort pa gen pouvwa sou li. Eh bien, ki sa ki second mort a? Li di les mille ans fin accompli, ça veut dire après première résurrection que moun ki ressuscité avec si la ou ki vivant ki transformé k'ap monte ensemble avec moun ki ressuscité des morts yo, c'est ensemble avec yo li di nan Thessaloniciens 4 verset 16, yo a monte ensemble avec morts yo, ni vivant ni mort ressuscité yo tout a monte ensemble. Là ça pas de mort encore tout moun a vivant mort Christ yo. Eh bien, là où monte à joindre Christ dans les airs, bien entendu, Jésus-Christ pas pour le mettre pied sous terre, la prêter dans nuage yo, mais tout le monde a pour elle, parce que Jésus-Christ c'est lumière, li bon corps glorieux, corps lumineux. Eh bien, nous pral voir qui ça c'est gon mort. Apocalypse 20 verset 14 et 15. Il dit: "Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de fait. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu." Li clair pour nous. Second mort, c'est le temps de feu. Li dit que, et le monde qui participe dans la première résurrection, hein? Parce que second mort n'a pas bien pouvoir sur eux. Tout ça qui n'a pas participé dans la première résurrection, hein? Yo pral participer dans la seconde mort. Parce que non, yo pa nan livre de vie encore. Tout ça yo qui passe 1000 ans dans le ciel là, le Jésus-Christ tourne après 1000 ans là, relâche Satan pour séduire la nation Gog et Magog. Séduire, li pral séduire la nation. Tout le monde qui rete yo, qui pas sauvé yo, Satan pral séduire yo. Bon Dieu pa protège l'encore, bon Dieu pa gen cet esprit sous la terre encore. Eh bien, tout le monde sa yo pral reprend les armes pour yo à la bataille. Ensemble avec Silayo qui prend la nouvelle Jérusalem. C'est la bataille, dernière bataille qui est Armageddon. Eh bien, laisse ça. C'est laisse ça. Le temps de feu après le paradis qui c'est l'enfer. Là, c'est laisse ça. Mot ça après le paradis. Côté, yo pral le jeter. Tout le monde sait dans le temps de feu. C'est ça qui est seconde mort. Et le monde qui participe dans la première résurrection. Si vous ne participez pas à la première résurrection, vous ne pouvez pas faire pas la seconde mort. Parce que pas de monde qui pourra sauver encore après 1000 ans. C'est ça la Bible dit. C'est pas ça qu'il dit. Nous ne prenons aucun autre livre pour nous interpréter. Nous utilisons la Bible. Et il y a tant et tant d'autres versets encore qui expliquent Jésus-Christ a retourné clair et visible. Et Jésus-Christ a retourné pour prendre le monde qui pour lui. Il a monté ensemble avec lui. Il a fait 1000 ans dans le ciel là. Après 1000 ans, ça. Qui est-ce qui est 144 millions? 144 millions, c'est si là, yo qui a sauvé tout vivant. Yo. Si là, yo qui sauvé, qui mourit, yo, yo le mort en Christ. Et si là, yo qui vivant, yo ba yon non 144 000. Pour qui ça a le 144 000? Ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un nombre. Littéral, il y aurait 144 000. C'est parce que le peuple Israël physique, là, bon Dieu, était sur la terre. Il était 12 tribus. Et 12 tribus, ça, chaque tribu était 12 000 soldats. Ça veut dire unité de base de l'armée Israël. Là, chaque tribu était 12 000 soldats parce que chaque tribu était un prince de l'armée. 12 000 soldats dans chaque tribu qui baillent 12 fois 12, ils baillent 144 000. Alors, chers amis, ce n'est pas 144 000 soldats directement que Israël a gagné, mais 12 000 soldats sont considérés comme des princes de l'armée. Eh bien, Israël spirituel là, qui gagne comme premier prince de l'armée, qui c'est Jésus-Christ, li formé 12 encore qui c'est 12 disciples. Ça veut dire
12 tribus, c'était un simple symbole pour te porter l'évangile dans le monde, pour te expliquer la terre qui j'en plein salut à être. Et Jésus-Christ, côté grand prêtre là, te représente Jésus-Christ. Et là, Jésus-Christ vini, li prend place li, pas un grand prêtre encore, pas un 12 tribus d'Israël encore, ça te gagne annulé longtemps. Alors, 12 tribus d'Israël, là, c'est Israël spirituel là qui trouve dans le monde entier. Eh bien, dernière bataille ça qui pourrait gagner hein, entre Christ et Satan, eh bien, c'est soldat ça, yo peuple bon Dieu qui pourrait porter l'évangile là avec force, yo pourrait sceller pour porter l'évangile là, c'est yo qui représente base l'armée Israël là, qui c'est 144 000. Mais fois ça, c'est pas littéral, c'est dans le sens spirituel qui a mené une bataille spirituelle. Côté on pral passer, yo pral traverser tribulation, pral traverser toute tentation que Satan ba yo pral mettre devant yo. Et c'est ça que fait dire, yo traverser la grande tribulation. C'est pas après 1000 ans mon ça pral venir, mais c'est yo pral sauver ensemble avec mort en Christ yo. Tout le monde qui pral rester vivant dans dernière bataille sa côté la marque de la bête, yo pral camper pour dire non. Yo pas prendre ma bête là, mais c'est pas avec force, c'est par l'esprit, non pas puissance, mais par l'esprit. Que le Seigneur bénisse.